Goto, on a pris une balle, là. Il y en a pris quelques-unes, lui, avec. J'en ai pris 14. Ça fait même 1h30 que je suis ici. Ouais, c'est ça. Bernard, tu as pris combien, toi? Oh, j'ai pris 5-6 à date. 5-6? J'ai pris 14 petites. Goto, on a pris à 5-6 des petites, puis là, une grosse. Quelle date aujourd'hui, Bernard? C'est aujourd'hui, c'est bon. Not bad because fine. Nice fish. Côté est encore son combat, ça fait quelques minutes qu'il est sur son combat, puis là, ça doit être puissant son poisson là. C'est quasiment une semaine consécutive qu'on pêche ici à Saint-Ours, puis on a pas mal de plaisir. Il fait la retarde, là. Même avec sa grande canne de 22, 23 pieds de long, là. Il fait la retarde avec, on va... On va voir son mouvement, qu'est-ce qu'il fait de musique qu'il y a là. Nice. Oh, nice, oui. On les met à bout de la voile, là. Le coteau est encore sur le combat, ça lâche pas, ça, ce poisson-là est vigoureux terriblement. Yes! On va essayer d'aider Auto à la puiser. Très gros. New Raven Line. Ouais. Combien de tests ta corde? 4 4 livres? Mais 4 heavy line. Auto utilise une corde de 4 livres test. Et c'est puissant. Elle ne veut même pas s'approcher du filet. Monsieur, yes, sir. Auto a pris une carte de quasiment 23-24 livres. Auto va la remettre dans l'eau lentement. Auto, on va la mettre par ici. Oui, monsieur, c'est beau, Auto. Félicitations. Ah oui, amuse-toi. No problem, guy. Donc, Auto vient de pogner une deuxième grosse carte. Il est en train de nous montrer comment ça marche. Hein, Auto? Oui. What your name? Mr. Professor. Not even bigger. Bigger? Papito, papito. Ok, t'as fait le casser, Auto? Oui. Oh, ça c'est de la malchance. L'hameçon ou toute la corde qui a cassé, c'est quoi, Auto? Tout. Oh, bon ben, on va revenir plus tard.